Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Juste un petit détail, lors d'une vidéo que j'ai sortie récemment, il y a un type qui m'a dit « Ceci n'est pas une critique, il n'y a pas de problème, ça peut être un avis, d'ailleurs je le mets généralement dans la description critique avis, et si vous n'êtes pas d'accord non plus là-dessus, vous pouvez appeler ça un hot dog ou appeler ça, je sais pas moi, du patinage artistique, ça m'est égal. » Bienvenue dans cette vidéo, voilà, comme ça c'est dit pour tout le monde. On va donc parler aujourd'hui de MIB. Aïe ? Men in Black International, réalisé donc par Monsieur F. Gary Gray, le réalisateur de NWA, Straight Outta Compton. Oui, je sais, mon anglais est assez pitoyable, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Qui était un film que j'avais trouvé bien, franchement bien, et il a réalisé Fast and Furious 8, qui pour moi est un peu le maillon faible de la saga depuis le cinquième, c'est-à-dire alors que les autres étaient pour moi vraiment très bien, très intéressant, enfin très bien d'un point de vue cinématographique, non, mais d'un point de vue pur divertissement, il me plaisait bien. Et le 8, ben, il était un petit peu moins bon, donc vu que là on est à nouveau dans un blockbuster un peu de divertissement, j'étais un petit peu sceptique. Pour la petite histoire, le réalisateur a prévu de faire une adaptation de Mask. Alors là, comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais Masque, vous savez, le dessin animé, M-A-S-K, vous savez, avec des points entre les lettres, là, Masque. Vous savez, les mecs avec les véhicules, là. Chevalier masqué pour la liberté. Et si vous voyez pas de quoi je parle, tant pis, je mettrai pas d'image. Ça vous apprendra à avoir de la culture. Bon, on va arrêter de dire des sottises. Dans les rôles principaux, on a Monsieur Chris Hemsworth, on a Madame Tessa Thompson... Et on a aussi Monsieur Liam Neeson, qui n'a pas le rôle principal, mais c'est quand même un acteur assez connu, donc j'ai envie de le citer. La note que je vais donner à ce film. Alors, je rappelle, pour si jamais, la note, c'est pas une note scolaire, parce que justement, si je devais donner une note scolaire à ce film, déjà, j'en serais pas capable, mais qui plus est, elle serait peut-être un peu plus sévère. Moi, honnêtement, j'ai passé un bon petit moment, malgré les connards dans la salle, ça c'est dit. Donc, moi, j'ai passé un bon petit moment, et je me suis bien diverti. Il y a des choses qui sont très bien, donc je vais lui donner un 7 sur 10. Évidemment, totalement subjective, comme vous pouvez l'imaginer. Petite peur que j'avais au début en allant voir ce film, je me suis dit, est-ce que ce film allait être un soft remake? Vous savez, à Hollywood, maintenant, quand on fait des suites de films connus, de sagas connues, on évite de faire un pur remake qui dit le reste n'a pas existé, parce que ça énerve les gens de faire des reboots comme ça. Ça énerve, donc on fait un soft remake, un soft reboot, c'est-à-dire on fait la même chose que le premier film, mais on change des éléments et on dit que c'est une suite. J'avais un peu peur de ça, et il faut dire ce qui est le principe de base du film, oui, on peut dire que c'est une espèce de soft remake, mais honnêtement, en regardant le film en lui-même, j'ai pas eu l'impression. Alors, le premier film, je l'ai vu plein de fois étant gamin, je l'avais en VHS, mais ça date, je pourrais pas trop comparer, mais comme ça, d'après mes souvenirs, j'ai pas eu vraiment l'impression que c'était un soft remake, donc personnellement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Autre grosse peur que j'avais, c'était ce que j'appelle la woman exploitation, c'est le principe de mettre en avant des femmes de manière pas subtile, de manière forcée. Et il faut dire les choses comme elles sont, le film le fait, même beaucoup, mais paradoxalement, ça m'a pas gêné. C'est un peu particulier. Il le fait beaucoup avec des petites phrases à la con sorties à des moments, voilà, tu sens que c'est un petit peu forcé. Si on regarde le scénario, c'est-à-dire si on fait vraiment attention à l'histoire et à ce que, au fond, ça véhicule comme idée, alors oui, c'est encore plus présent, d'accord? Donc ça pourrait même être repoussant d'une certaine manière. Mais dans le déroulement du film, ça m'a pas spécialement gêné. La preuve, c'est que c'est plutôt bien fait. Donc, c'est bien. Mais évidemment, si je le dis là, c'est pour si jamais c'est une manière de faire qui vous insupporte violemment, alors il y a de grandes chances que ce film vous énerve. Comme j'ai dit, moi je suis pas du tout fan de ça, c'est un truc à tendance à m'agacer. Mais dans ce film, je vais pas me plaindre. Malgré que ce soit présent, bah voilà, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je me suis laissé emporter par l'histoire en tant que telle. L'une des choses qui fait que c'est pas aussi appuyé, si on le compare, je sais pas, par exemple à un Captain Marvel, c'est que dans Captain Marvel, on a donné au personnage principal une attitude détestable. Bon, ça passait pour moi, en tout cas, ça passait, mais on lui avait donné une attitude détestable, et là, c'est pas le cas. Le personnage féminin, il est fort, il est présent, il prend des initiatives, il fait des bonnes choses, mais je trouve pas qu'on lui ait donné un caractère détestable, et donc du coup, bah, moi, personnellement, ça me convient. Voilà. L'histoire et le scénario, disons les choses comme elles sont, on est là pour se divertir, il y a de l'humour, il y a du rythme, il y a un peu d'action, on sait un peu le cocktail auquel on va avoir droit, un peu de science-fiction évidemment, hein. Et ça fonctionne plutôt bien. Cependant, il y a pas mal de petites erreurs disséminées tout le long du film, des trucs qui sonnent un petit peu faux. Par exemple, un truc tout bête, alors que le personnage découvre les Men in Black parce qu'elle a fait des recherches depuis 20 ans et tout, c'est pas trop un souci, mais quand on voit ce que font les Men in Black en public, on se demande comment ils font pour rester secrets. Alors certes, c'est de la science-fiction, on peut imaginer plein d'astuces, en plus ils ont leur machin là pour effacer la mémoire, donc il y a plein de petites choses,
Mais il n'y a qu'à voir comme elle les découvre. Hein. Au bout d'un moment, elle arrive devant un grillage, elle voit des oiseaux qui passent le grillage, elle se dit « Ah bah voilà, ils sont là, quoi. » Je veux dire, je pense que, pas forcément ce personnage-là, puisqu'elle les a cherchés pendant 20 ans et tout, mais je pense que ce serait une société, une agence qui serait pas secrète très longtemps, parce que des enfants, je sais pas moi, dans un film à la Spielberg, peut-être est-il exécutif producteur du film, des enfants à la Spielberg, par exemple, pourraient trouver l'existence des Men in Black ou des choses comme ça. Voilà, c'est une petite erreur pour dire que oui, si on rentre dans les détails, il y a des petits trucs. Il y en a une autre, par exemple, qui est liée à un truc de la bande-annonce, vous avez peut-être vu, au bout d'un moment, il y a le personnage de Chris Hemsworth, donc H, qui dit au personnage de M de prendre le rétroviseur pour attaquer des vilains pas beaux. Elle fait « Ah, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je leur balance dessus ?» Et puis, pouc, elle voit qu'il y a des armes dedans. La blague en elle-même fonctionne pas trop mal. Le problème, c'est que juste avant, il lui a déjà dit de prendre le bouchon du réservoir d'essence, et là, il y avait une arme. Et juste après, on voit Chris Hemsworth, qui aussi, à un moment donné, il fait un truc avec la voiture, et il sort aussi une arme. Donc le fait qu'à ce moment-là, ils lui disent le rétroviseur et qu'elle fasse ça, mais tu veux que je fasse quoi avec? Je pense qu'elle a compris le fonctionnement un peu de la voiture. À ce moment-là, elle sait qu'il va y avoir quelque chose dedans. Voilà, des petites erreurs comme ça, disséminées tout le long du film, qui fait qu'il y a des trucs qui collent pas forcément, ou des trucs pas très logiques. Vous pouvez me dire que je chipote, surtout sur le premier, le second est peut-être un tout petit peu plus marqué, je suis assez d'accord avec vous, je chipote, mais comme il y en a pas mal, ça fait perdre de consistance au film en lui-même. On m'a pas spécialement plus dérangé que ça, parce que j'avais pas spécialement de grosses attentes non plus. L'histoire du film raconte qu'il y a une taupe au niveau des Men in Black, et c'est plutôt intéressant parce que du coup ça crée un petit suspense. Petit, hein, j'ai dit, mais un petit suspense parce qu'en plus on nous sème des petits trucs là pour qu'on se perde un petit peu, comme d'habitude je reste vague volontairement, mais ce qui fait qu'on n'est jamais totalement certain d'à quel point tel personnage est 100% intègre. Donc bon, sans être folichon, je trouve que c'est sympa d'ajouter cela. Qui plus est, l'univers en règle générale des Men in Black est plutôt bien développé, hein, on nous montre d'autres choses, alors certes c'est pas original, on l'avait déjà vu bien avant, mais cet univers, un peu le fonctionnement, c'est pas que c'est expliqué, mais on voit des choses, déjà visuellement, hein, le film, côté effets spéciaux, il est comme ça, hein, il est franchement magnifique, il y a peut-être un plan dégueulasse, mais il est tellement court, parce que je pense qu'il savait qu'il était pas très beau, il est tellement court, c'est juste un truc de transition qui fait que ça passe, donc non, l'univers, les effets spéciaux, moi, je dis oui. Évidemment, c'est un film un peu d'action, un film avec de l'humour, il y a de l'humour dans le scénario, personnellement, il m'a pas fait rigoler, mais je l'ai trouvé trop sympatoche pour accompagner tout ça, ça m'a pas dérangé. Dernier peut-être petit point négatif, légèrement négatif, malgré ce que j'ai dit avant, le scénario, enfin l'histoire plutôt, dans sa globalité, est peut-être un tout petit peu prévisible, mais pas trop non plus. Juste sur certains points, sur un point précis en fait, pour être précis. Mais vu que le but c'est de pas être précis dans les vidéos pour que les gens puissent voir les films. Sinon, j'ai quand même aussi envie de vous parler des personnages, et surtout de celui de H, duquel j'ai pas parlé. Chris Hemsworth, hein, déjà interprétation acteur, on va mettre ça là-dedans. Mais il a tellement la classe, il porte tellement bien le costume, il bouge tellement bien, il a l'air trop sympa, trop drôle, trop cool. Par rapport à la Womansploitation, on nous fait passer le personnage un peu pour un idiot, même beaucoup pour un idiot. Mais je trouve que dans le film, il a pas l'air si idiot que ça, il fait quand même des trucs, on sent qu'il a le potentiel et qu'il fait des choses, je veux dire, c'est pas... C'est... Même si à des moments, le film essaye de nous dire « là, t'as fait un truc idiot », des fois, j'ai pas l'impression. Je vous donne un exemple, à un moment donné, les deux personnages principaux se font voler un truc. Et il y en a un qui accuse l'autre « oh, t'es vraiment un idiot, tu te l'es fait voler ». Ben non, vous vous l'avez fait voler tous les deux, hein. Les deux, vous vous êtes fait niquer. Donc ça, c'est pour cet exemple-là, mais... Malgré qu'on, justement, il y a ce côté un peu womansploitation et qu'on a tendance un peu à rabaisser le personnage de Chris Hemsworth, lui, il est tellement cool, il a tellement de présence et tout ça, que je trouve qu'il arrive à faire remonter le niveau, justement. Et puis bon, petite parenthèse sur le scénario, vu que je m'embrouille un petit peu, il arrive aussi des moments que le scénario les équilibre, justement, hein, quand même, malgré tout. Hein. Sinon, Tessa Thompson, bah, comme j'ai dit, elle passe plutôt bien dans le rôle. Hein. Rien de révolutionnaire, rien d'extraordinaire, contrairement à Chris Hemsworth, ce que j'ai adoré, hein, mais... Elle fait le taf, et puis bon, comme j'ai dit, le personnage est écrit de manière à qu'on la déteste pas, donc on va pas s'en plaindre, hein. Niveau musique, c'est très bien, mais en même temps, c'est pas terrible, parce qu'on entend le thème des Men in Black, bon, je vais m'arrêter là, qui est un thème que j'ai écouté à l'époque étant gamin, justement, à la sortie du premier film, c'est un thème que j'aime beaucoup, et donc il est là, il accompagne, en plus, un thème qui arrive à donner un certain rythme. J'ai adoré, mais c'est vrai que c'est pas non plus folichon, mais il n'empêche que la musique dans le film, ça passe très bien, et ça fonctionne très très bien, c'est pour ça que je voulais en parler. La réalisation en tant que telle, très honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, le film en lui-même, il est beau, c'est un blockbuster, c'est maîtrisé, il y a beaucoup de couleurs assez vives, hein, et souvent du blanc, des trucs comme ça, bon, tant mieux. Mais la mise en scène en tant que telle, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, elle est pas mauvaise dans le sens où je me suis pas senti insulté, il y a rien de révolutionnaire, il y a pas des scènes d'action spécialement bien filmées, au contraire, ça c'est... plat, mais banal, mais comment dire,
mais pas non plus dégueulasse par rapport à ce genre de film. Généralement, tu ne t'attends pas à une recherche spéciale au niveau de la mise en scène, donc voilà, je trouvais que ça faisait le taf. Voilà. Juste une toute petite parenthèse vite fait, il y a un ou deux moments dans le film où un des personnages exécute des mouvements irréalistes, des cascades irréalistes. Alors, ça peut ne pas être un souci, moi au début je me suis dit, ah c'est le ton du film, il va être comme ça niveau scène d'action. Mais en fait, il n'y a que ces deux moments-là. Ça tombe bien, ils sont au début du film et après on les oublie un petit peu, donc c'est pas un souci, mais voilà, c'est juste un petit aparté. Donc comme vous le voyez, au final, je tourne un peu autour du pot, que ce soit pour les qualités ou les défauts, parce que c'est finalement un blockbuster calibré qui est là, qui dérange pas ni dans l'excès, ni dans la caca, tu vois. Il est un peu là au milieu. Il fait le taf en ce qui me concerne, j'ai passé un bon petit moment, voilà, je peux vous le recommander comme ne pas vous le recommander, après c'est vous, mais normalement les blockbusters vous savez déjà si vous voulez aller les voir ou pas, et c'est ça qui est magique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je veux juste être sûr d'un petit détail entre nous, hein, pour être sûr que ça fonctionne bien, hein. Voilà, alors maintenant vous n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit, d'accord? Merci à tous. Ciao tout le monde. Alors maintenant, la grande question, c'est quelle photo j'ai prise? Dégueulasse, en plus avec mes lunettes où je voyais rien. Purée, le flash, il est violent. Je sais pas ce que ça va donner sur l'écran. Mon Dieu. Bon, on efface.